Alors, mon cher Bon, bah, My du coup. Face Wen, est-ce que tu apprécies cet AJDQ jusque-là? Ah, j'apprécie délecté là de tes. La run de The Town with No Name était sensationnelle. Ouais. Remercie Brossensia, hein, toujours, hein, pour cette run. Le mindfuck total, quoi. Ah, puis aussi. Trio the Punch. Incroyable. Ah, Trio the Punch. Trio the Punch. Ah, un petit spam de smiley, s'il vous plaît, sur le chat. Merci. Ah, puis bonjour au chat, je me suis même pas. Oui, bonjour le chat. Bonjour. Et Donc, les My dons, Face tout One, tu es ça. un peu notre Stanley à nous, mais de l'autre bord, quoi, en gros. C'est Tu ça, vois? je suis tout l'envers du décor, c'est-à-dire le méchant qui aime la concurrence. Donc DC Comics, Ouais, évidemment. bon. On va dire qu'il y a quand même quelques trucs pas trop à jeter, hein, au niveau DC Non, Comics, hein. non, non, évidemment, c'est que du bonheur, DC Comics. C'est quand même Batman. Ils ont quand même Batman, voilà. Bah, Batman, Superman, Wonder Woman, Green Lantern, il y en a plein quand même, hein. Flash, bon, il n'y a Flash. pas que du Bon, et monde puis nerd. Constantine! Non, mais ça, c'est fanboy. Ça, c'est moi. Constantine, évidemment, et tu sais que, enfin, peut-être que tu ne le savais pas, mais Constantine est apparu pour la première fois dans un Dans numéro de Swamp Swamp Thing. Thing. Ouais, Eh oui. je savais qu'il a eu son Ah. spin-off, hein, dédié après, ouais. Mais je crois pas qu'il apparaisse dans le jeu, par contre. Non, non, il n'est pas dans le jeu. Mais bon. Pas que du bonheur de commenter ce jeu magnifique. Ah oui, un jeu de qualité, hein, Swamp Thing, attention. Et donc, comme je le disais, Swamp Thing qui est en fait le jeu que Omnigamer a filé à Mecha Richter. Vous voyez, la raison pour laquelle Omnigamer a joué à Radical Rex, c'est que Mecha Richter lui avait filé Radical Rex à jouer, et en réponse, eh bien, Omnigamer a filé Swamp Thing à Mecha Richter. Voilà, c'est un échange de bons procédés et de jeux de merde. C'était voilà l'échange de bons procédés, mais infernal. Hein. J'ai regardé, t'as dit que toi t'avais atteint le niveau 2. Moi avec Ouais. Safe State j'ai dû atteindre le niveau 6. Ah ouais, non, mais j'ai rage quit au 2, va chier. Ah non, c'est bien trop dur. Mais on va expliquer pourquoi. Ouais. Donc là, nous voyons la magnifique intro avec Anton Arcane, le grand méchant. D'ailleurs, est-ce que l'adaptation est de qualité? Est-ce qu'on reconnaît les persos, etc.? Non, là, le docteur Alekland a l'air de ressembler à pas, mais à tout sauf à un bon scientifique. Il est un peu plus BG là, quand même. Même si, oui, il y a le gros de l'explication. En fait, ça reprend un peu l'intrigue du run de Alan Moore. Run, puis du film aussi. Il y a eu un film, Swamp Thing, qui est à chier, mais quand même fait par Wes Craven. Ah, d'accord. Monsieur Scream, quand même. Entre autres. Monsieur Scream, Monsieur Freddy Krueger, et bien sûr. Version Ah Game là là. Boy, mais c'est bien la version NES. Oui. Et c'est parti. Alors, est-ce que tu es sur le stream US, mon cher My Face Wayne? US, c'est parti depuis. Là, j'en suis à 7-8 en avance. Je suis une seconde en avance par rapport à toi. Donc, bon, on est pas mal. Bon, on est bien, ouais. On est bien. Combien ça fait d'heures que d'affilée? Je sais pas. 10 heures? À peu près. Ouais, 5 heures plutôt. Bref. Donc du coup, alors, on va expliquer peut-être le gameplay. Ouais, vas-y, moi je me repose. Je me repose un coup. oui, alors. J'en ai besoin un peu là. Le Swamp Thing peut sauter à un saut. Et vraiment à l'ancienne, c'est-à-dire qu'on peut pas le diriger pendant qu'on saute. Envoyer un espèce de blob, de slime. Ouais, voilà, il envoie un petit slime. Et puis il a un coup de poing totalement inutile parce qu'il a une portée vraiment ridicule. Mais ridicule de chez ridicule, quoi. Ça sert à rien. C'est pas que ce jeu, finalement, c'est un jeu où il faut constamment avancer, sinon on se fait. Il y a des pièges partout, c'est horrible quoi. Ouais, il y a tout qui vous veut mort. Vous prenez des dégâts si vous marchez sur une canette. Ouais, le premier ennemi du jeu, de toute façon, on l'avait vu tout à l'heure, c'était une canette quoi. Une canette voilà. dans le.
Ouais. Et voilà, il n'y a que des trucs qui tombent du sol, enfin du ciel. Enfin voilà, c'est un jeu vraiment bien vicelard, et pour le finir sans save state, bravo. Parce qu'après, il faut se rendre compte que le maniement du perso a l'air facile comme ça, mais les programmeurs en fait ont pris la décision absolument irréelle de mettre le bouton pour courir. Et encore courir, c'est un bien grand mot. Là, il est en train de courir, hein, le perso. Hein. Ouais, il C'est marche sa vite, quoi. vitesse maximum. Hein. On va Sur plutôt le dire même qu'il meurt. bouton que le saut. Oui, Donc c'est ça. vous êtes obligé de sauter avant de pouvoir marcher plus vite, quoi. C'est complètement débile, mais Ouais. papa. Et du coup, ça rend les commandes vraiment assez difficiles à s'y faire. Et surtout, voilà, quoi, les attaques, mais. Rendez-vous compte que les mecs, ils nous ont donné un coup de poing, donc qui nous fait voilà, qui a une portée ridicule, mais au moins qui a le mérite de faire des dommages un petit peu devant. Mais on ne peut utiliser ce coup de poing que debout et en sautant. Les mecs sont allés, ils sont allés au bout du truc, c'est-à-dire qu'ils ont mis une position accroupie dans le jeu. Si vous appuyez sur bas, la Swamp Thing s'accroupit, mais vous ne pouvez pas attaquer en étant accroupi. Vous ne pouvez pas donner de coup de poing. Du Non. coup, l'accroupissement ne sert basiquement à rien. Et lorsque vous ne pouvez pas attaquer au niveau de vos pieds, alors que 50% des putains d'ennemis que vous allez rencontrer dans le jeu sont au ras du sol, et ben forcément, c'est un petit peu embêtant, quoi. Voilà, et il y a un autre truc qui aussi achève de rendre ce jeu vraiment pas plaisant à jouer du tout, c'est les musiques qui sont horribles. Ah ouais. C'est vrai que c'est très très mauvais. Vous êtes épargné ça, mais vraiment elles sont d'horreur. Pas possible de faire des trucs aussi dégueulasses alors que le jeu date quand même de 92, hein, c'est pas. Vrai que c'est plutôt tard, ouais, dans la vie de Plutôt la tard dans NES, la qui vie de la sortit en NES, quoi, ouais, tout à fait. 87? Un truc comme ça. Ouais, c'est assez tard quand même dans la vie de la console, donc. Je vais s'attendre à quelque chose de plus. Je dirais réussi. Et non. Mais aussi, je trouve le design quand même global du jeu. Alors, je sais qu'on est censé être dans un monde plus ou moins démoniaque, etc. Ça reste la Louisiane, mais c'est quand même quelque chose qui est creepy, tu sais, qui est, Oui, voilà. Anton Arcane, en fait, suivant les histoires, mais récemment ça a été ça, et c'est quand même ça, c'est la représentation du mal, quoi, de mort-vivant, etc. Donc, vraiment, même on veut aller lui défoncer la figure, voilà. C'est ça. Il y a des ghouls, tout ce que tu veux, enfan vraiment le bestiaire. Archi C'est vrai que classique, hein, pour mais le le level coup. design, vraiment, je veux dire, il y a des pièges partout. C'est-à-dire qu'il faut. Faut jamais s'arrêter, il faut vraiment avoir des yeux partout parce que tout peut vous faire des dégâts, quoi, quasiment. Donc Exactement, c'est atroce, quoi. c'est atroce, et en plus, je trouve. Effectivement, le level design n'est pas très plaisant comme c'est fait, c'est juste fait pour être dur en fait, il n'y a pas de vrai plaisir de jeu là-dedans. Et voilà, on voit ses montées sur ses mains là. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, c'est des passages. Si vous vous posez la question de est-ce qu'on peut optimiser les patterns des mains que vous avez vues là dans les caveaux, en fait, elles commencent à bouger au moment où vous arrivez en vue. Donc en fait, vous aurez toujours, toujours le même pattern. Donc, vous ne pouvez pas vous dépêcher avant dans le niveau pour essayer d'avoir un pattern plus bas, par exemple, pour la choper direct. Non, elle apparaîtra toujours à la même hauteur et vous serez toujours obligé d'attendre qu'elle descende. Donc le premier boss. Pas bien difficile, je plaisante, il est super chiant. Ouais. En fait, c'est un des deux boss qui est régi par un random number generator, donc de la RNG. Et en fait, le boss peut apparaître à différents endroits. Et suivant l'endroit où il apparaît, vous avez la possibilité, enfin vous avez le temps de lui mettre un, deux ou trois coups de poing. Fait que du coup, si vous avez un bon pattern, vous pouvez tuer le boss en simplement deux phases. Bon là, je pense qu'il a plutôt mis 4 ou 4 voire 5. En plus, il a dû se Mais bon, suicider au début parce qu'il avait plus de vie, donc il a préféré perdre une vie pour recommencer au max.
De toute façon, la vie c'est assez précieux dans ce jeu et on en perd tout le temps. On fait Ouais, c'est que ça. se faire toucher de toute façon. Enfin là, il joue très bien et il l'anticipe, mais il fait quand même toucher. Et Il n'a d'ailleurs, pas le choix. ce qui est intéressant, c'est que les programmeurs, ils savaient en plus que les joueurs allaient devoir prendre des dégâts parce que, contrairement à beaucoup de jeux en side-scrolling comme ça de l'époque de la NES, vous n'êtes pas projeté en arrière quand vous prenez des dégâts. Vous Exactement, ouais. êtes même pas ralenti ou quoi, vous allez juste clignoter, avoir quelques secondes d'invincibilité et puis tout va bien. Il Mais n'y a ça, pas c'est de quand même un damage bon point. boost. C'est un bon point parce que sinon, le jeu aurait été impossible. Ah oui, non, si en plus on avait si en plus on avait des retours en arrière comme dans les Ninja Gaiden, etc. Enfin, ça aurait juste été ingérable. Hein, ingérable. Et là, malheureusement, il est tombé sur Ouais, oui, il est un des nombreux tombé et sauts. donc. Mais de toute Pour façon, les sauts recommencer. sont. C'est des sauts, voilà. Si jamais vous voyez Castlevania, c'est un peu ça, quoi. Mais sauf que, effectivement, il y a cette idée de course après le saut Mais dans le voilà, c'est début. ça, le truc. C'est que souvent, tu as besoin de faire un saut en ayant de base un petit peu de vitesse. Bah, sinon, tu pars pas assez loin. Mais tu dois d'abord sauter pour gagner ta vitesse. Ah ouais, non, c'est complètement débile. T'es Ouais. d'accord? Et donc, du coup, ce qui fait que manette en main. C'est une purge. C'est une très Ah, très grosse purge à jouer ce jeu. Hein. Vraiment. Et donc, du bah, coup, de t'as toute réussi à passer façon, ce niveau, toi. ouais, je l'ai passé. Putain. Mais comme je t'ai dit, j'étais avec Safe State, hein, donc Ah, mais avant même, chaque hein, moi, saut, avec Safe State, je. j'ai Rage Quit aux deux. Hein. Ah, Ouais, mais ça. enfin, tu vois, mon amour de Something, mon amour de Ah, ouais. l'univers, Ah, c'est vrai. je me suis dit, je vais quand même tester, tu vois, ça peut être sympa, puis. On va faire une belle chronique ou un beau truc, et puis finalement j'ai arrêté quoi, je pouvais pas. Ouais, bah ouais. Et je veux dire, quand j'étais bloqué, c'était après. C'était avant l'usine de déchets Voilà, chimiques, probablement. c'est un niveau magnifique avec ces bruitages horribles quand il y a un truc qui tombe là. Vous l'entendez pas, mais quand il y a un truc qui tombe, ça fait un espèce de. C'est tout mal fait. C'est ça. C'est pas moi qui ai du lag, hein, c'est juste que j'ai mis trois plombes à commenter le fait qu'il était tombé comme un sac. Ouais, Voilà. c'est ça, on parlait d'autre chose à ce moment-là. Voilà. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. De toute façon, le jeu n'est pas non plus ultra exigeant hein, pour qu'on soit vraiment à la frame sur ce qui se passe, hein, globalement. Vous comprenez que c'est des puzzles de plateforme absolument immondes, avec des contrôles nuls à chier, donc globalement, ça devrait déjà vous donner une bonne idée de tout le run, globalement. Voilà. Exactement, ça va être de plus en plus difficile, forcément. Ah là là. Mais donc, c'est vrai Oh que là là. le choix des niveaux est quand même, comment dire, c'est pas super reluisant quoi. On a l'usine de produits chimiques, la décharge de produits chimiques, les marais, les cimetières. Bon, c'est pas super folichon quand même. Hein. Ah bah c'est pas folichon, après c'est un peu l'univers qui veut ça, même si Ouais. enfin l'univers de Something est quand même beaucoup plus riche que ça. Il y aurait eu moyen de faire des niveaux dans la forêt, vraiment intéressants, etc. Bon, bah, de toute façon, bah, c'est vraiment le jeu à licence bâclé, quoi. C'est-à-dire qu'à l'époque, Swamp Thing marchait plutôt bien parce qu'il y avait eu le run de Alan Moore. Donc Alan Moore, c'est pas n'importe qui, hein, c'est Watchmen, La Watchmen, Ligue hein, des tout ça. Gentlemen Extraordinaires, From Hell, enfin, vous voyez, un peu le genre. Et du coup, bon, il y avait une espèce de hype autour de Swamp Thing, donc ils ont voulu, mais bon. C'est pas du tout lié au film alors, ils ont pas voulu surfer en le Non, bah sortant en même le temps film était ou... sorti 10 ans avant, donc. D'accord, pardon. Non mais je connaissais pas en fait Non, la bah le timeline, film donc... est pas très connu, et puis après, bon non plus. Donc. Ok. Et a très très mal vieilli. D'accord. Très bien. Mais voilà, je ne le conseille pas. Je conseille plutôt aux gens de lire le comics. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Et surtout le run d'Alan Moore, du coup. Bah, le run d'Alan Moore est pas encore en France, mais il y a celui de Scott Snyder et Yannick Paquette qui est le Non, moment disponible, et c'est très bien. parce que ça, c'est toujours la question en fait des gens qui veulent commencer les comics, c'est à par où je commence? Parce que j'ai peut-être Ben pas envie de me justement, taper les 500 premiers tomes en fait. voilà, bah du coup il y a un espèce de reboot, si tu veux, de Swamp Thing, qui fait un peu une suite du run de Moore, mais tu peux vraiment commencer par là sans avoir jamais lu Swamp Thing avant. C'est disponible en France. D'accord. C'est Swamp Thing tome 1. Ok, très bien. T'intéresse. J'aime un peu l'univers parce que ça a lancé, si tu veux, tout ce qui est ensuite comics indépendants.
c'est-à-dire le label indépendant de DC Comics avec Constantine justement dedans, Sandman, enfin tout un univers vraiment riche. Ah oui, Sandman, et un ouais, peu plus adulte et le plus méchant de mature. Spider-Man qui devient gentil après, ouais, qui travaille pour Pas ce Silver Sandman Sable, là, non. ouais, ok. Pas ce Non mais si, Sandman je connais là, bien, non. DC, hein, pas de problème. Pas de soucis. Voilà. Le boss du non-charisme. Alors, ce truc-là ne ressemble à rien. C'est pas possible, quoi. Mais je sais pas, ouais. Je sais pas. On voit des espèces de... Bah, on dirait qu'il a un fusil à fumée rouge. Okay. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais c'est bizarre d'ailleurs qu'il ait, ait eu autant de mal sur ce boss parce que... Quand t'as le pattern favorable, tu l'infinises sans qu'il puisse rien faire, quoi. Tu prends zéro dégâts pendant le combat. Donc là, je sais pas ce qui lui est arrivé. Le boss, il s'est dit, non, mais c'est mon moment. Tu vois, je suis à la GDQ 2015. Aujourd'hui, je montre que je suis un vrai boss, que j'en ai dans le ventre, quoi. Aujourd'hui, j'embête mes characters. Donc, c'est le truc never happened before, mais là, c'est ça, style, un marathon dégueulasse. La marathon luck, hein, classique. Et donc, bizarrement, là, on était dans un niveau relativement labyrinthique avec beaucoup, beaucoup de phases de plateforme. Et là, on est dans une forêt couloir. C'est assez bizarre, quand même, l'enchaînement des niveaux. Il n'y a pas vraiment de logique. J'ai l'impression que... On sait qu'on se rapproche un peu de l'enfer, mais en même temps, c'est super industriel. Ouais. Là, on dirait une sorte de forêt qui a été ravagée par des machines, etc. Je pense qu'au fur et à mesure, d'ailleurs, qu'on avance dans le jeu, les ennemis qu'on combat sont de plus en plus robotisés, en fait. C'est complètement bête, parce que ça aurait dû être plutôt l'inverse, finalement, mais bon. Ah ouais, dans le comics, si on se rapproche d'Anton Arcane, normalement, tu vois, c'est... Comment dire, on doit se rapprocher vraiment avec des ghouls, des fantômes, des squelettes, tout ce que tu veux. Mm-hmm. D'accord. Qui sont posés. Parce que là, ouais, les mini-boss de fin de ces stages, là, c'est des sortes de tuyaux qui vous tirent dessus. Franchement, je ne comprends pas. Ils en font un scientifique aussi, donc là, tu vois, c'est-à-dire... Ouais, c'est un peu un Dr. Eggman, quoi, Robotnik. Ouais. Et j'avais compris ça, à peu près. Connerie. Alors, là, qu'est-ce qui se passe? Oui, qu'est-ce qui vient de se passer? What the hell? Ah d'accord, il nous montre un... Ah, ce glitch de qualité! Il nous montre un glitch, alors là c'est merveilleux là. Quelques clapas parce que là quand même... Ah j'avoue quoi? J'avoue. Je savais même pas que c'était possible, mais GG à lui, hein. Le upside down glitch, pas mal. Et visiblement il faut pour mourir le plaisir, en fait ouais. dans une de ces mares de produits chimiques, hein, en se faisant toucher ou je sais pas quoi. C'est ça, bizarre, ouais, mais après ouais, il te set up. Et du coup, il t'est à l'envers. C'est juste complètement con. J'avoue, c'est un peu. C'est assez fort, ouais. C'est assez fort. Il a le crâne solide. Ah, ça y est, Zo a fait le MV Punch. Ah, magnifique. Le trio The Punch. Merci à toi, Zo. Ah, j'irai voir ça après. Ouais. Parce qu'on l'a demandé, pas forcément à corps et à cri, mais disons qu'on l'a évoqué avec le joueur du grenier pendant le run de Trio The Punch. Ah oui, ce boss. Vas-y, je te laisse expliquer parce que moi, ça me dépasse. De quoi? Ce boss là qui vient d'apparaître et de disparaître. Quoi? Je n'ai pas compris. Alors en fait, le boss qui vient de terminer, c'était vous avez affaire à une sorte de chauve-souris humanoïde. Et en fait, vous allez vous cacher dans les arbres qui sont au fond de l'écran. Et vous allez le secouer pour faire tomber des fruits sur la tronche du boss. Et au bout de 5 fruits et légumes par jour, il va décéder. Et donc, si vous sortez de l'arbre... au moment où le boss crève, eh bien vous allez glitcher la position du personnage dans le prochain niveau que vous voyez ici, qui est le dernier niveau du jeu d'ailleurs. Et en fait, vous allez pouvoir marcher dans l'air et vous foutre complètement du niveau. Voilà, vous allez pouvoir traverser comme ça en ligne droite. Normal. Ouais, donc, en fait, j'avais pas compris la technique quand j'ai regardé la run. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ouais, mais je pense que c'est le fait qu'ils sortent de l'arbre et qu'ils se placent à un certain endroit après le boss du niveau d'avant. Et nous sommes déjà au boss de fin. Ouais, c'est le boss final, donc Arcane. Encore un boss du RNG.
Un boss du RNG, tout sauf charismatique, pop de temps en temps, et puis il faut lui. Faut pas rater quoi. C'est ça, en fait, il a sa petite, son petit robot là qui peut le faire apparaître ou pas dans la map. Et s'il apparaît, bah, il se prend un coup de poing dans la tronche. Voilà. Et 16-36. Voilà. Et c'est parti. Le record final, est à 14-28. Ouais, c'est 14-28, c'est son meilleur temps. Ouais. Mais il a montré aussi le glitch, le sound down glitch. Il a dit qu'il est tombé. Ouais. Il est tombé donc. Il est... Oui, c'est vrai, il est tombé au niveau de la belle forêt. Il a perdu une vie au premier boss parce qu'il avait plus assez de vie. Enfin, ouais, il a eu quelques petits ratés. Sachant que son run, son 14-28 est de très 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 bonne qualité. Et plus ou moins parfait du début à la fin. Donc, ça aurait été difficile de le battre. Mais, quand il a terminé, qu'il a eu son 14-28, il était heureux. Il a dit j'en ai fini avec ce jeu, heureusement. Ouais, c'est ça. Il a fait basiquement un fuck this game. C'est bon. La fin, donc il dit je ne. Les colons, maintenant je suis. Exactement. Savoir que quand même Swamp Thing s'est trouvé une meuf, hein. Il faut le savoir. Ah ouais? Swamp Thing Gale Arcane, donc la fille de son ennemi juré, c'est sa meuf. D'accord. Bien, non? Oh, voilà, c'était la petite anecdote du jour. Voilà, le petit trivia. Non, le mais petit trivia. Non, parce qu'on se dit il est moche et couvert comme ça, mais tu sais. Non mais l'amour existe aussi pour les machins moches et tout verts avec des plantes sur la tronche, hein. Voilà, tout simplement. Ok, bon ben moi je vais te laisser du coup. Tu vas me laisser tout seul, c'est ça? Ouais. À moins que tu veuilles que je sois en assist, mais je connais pas les runs donc. Ouais non mais là ça va pour. Il reste pas mais du gros pas, jeu. Tout va bien. Non ça va, je ne vais pas, je ne vais pas mourir, je ne vais pas mourir. Il reste que 4 jeux, il y a moins d'une page de notes par jeu, donc...